Hey, c'est vraiment tellement bon ces rouleaux de printemps. C'est pas étonnant, c'est bourré d'aliments fermentés à l'intérieur. Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Je vais vous montrer comment faire des rouleaux de printemps avec plein d'ingrédients fermentés. Alors, j'ai pris des carottes lacto-fermentées, du kimchi, des pousses qui ne sont pas fermentées, du tempeh, du daikon, mais aussi une mayonnaise avec de la sauce piquante faite maison et une sauce à base de soya, une sauce soya, mais une sauce damari qui est fait. C'est un dérivé en fait du miso. C'est vraiment. Vous allez voir, c'est super facile à faire. C'est pas plus compliqué à faire que des rouleaux de printemps traditionnels. Puis on introduit des légumes et du tempeh fermenté, ce qui fait que ça booste les saveurs et en même temps c'est super bon à la santé. C'est parti! J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi oui. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Likez cette vidéo, partagez-la à vos amis, puis bonne fermentation et bon appétit.